commandez tous vos points de Dieu. Merci Seigneur, voici ce que nous avons eu à apporter de ta présence, Seigneur. S'il te plaît, agrée l'Éternel de toute puissance. Et comble-nous de bien, Éternel mon Dieu, et de bénédiction, Seigneur. Remplis les poches qui se sont vidées encore ce matin en ton nom, Seigneur. Père, je ne ferai que te soumettre toutes ces offrandes au nom de Jésus que j'ai prié. On peut dire Amen. Amen. De la brigade anti-sorcier, j'ai l'honneur ce matin de vous présenter encore. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez que vous saluez tous dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de bruit aujourd'hui parce qu'on nous a interpellés. Il a failli que le président Seyko parte répondre à la gendarmerie. Les voisins, même juste à côté, sont des gendarmes. Les gens disent qu'on fait trop de bruit. Ouais, donc, je pense qu'en semaine, je pense qu'à partir de demain, nous allons essayer d'échanger avec le CB, de discuter avec lui. On peut comprendre si c'est réveillé. Mais je pense que les dimanches, on peut vraiment, parce que je voudrais que j'échange avec le CB pour que les dimanches, qu'on soit à mesure de faire nos cultes. Dans la louange, parce que Dieu, on le sait dans le bruit. Amen. Parce que la louange, les acclamations, c'est fait dans le bruit. Mais toutefois, respectant la liberté de d'autres personnes, ça, mais on va essayer d'échanger avec le CB. Il dit, à certaines heures, nous allons arrêter nos cultes, mais nos cultes sont faits de louange, parce que ça fait partie du culte à l'éternel. Amen. C'est pour ça que vous n'avez pas de son. Les gens qui ont fait les rapports pour dire qu'on a nos sons, nos appareils sont de pointe, c'est tellement fort. Je pense qu'on aura l'occasion de s'excuser. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça nous annonce en même temps, vous savez, c'est le dernier dimanche avant la Noël. Nous parlons, c'est le dimanche, ça nous annonce en même temps la Noël. Ici, c'est la présentation. Prophète Joël Crasso. C'est un don que je suis pasteur. Le pasteur, il faut dire qu'il a une église à Abidjan. Il a une église à Abidjan, il est venu là pour un soutien et tout ça. Il y a une soeur qui a quitté à Paris, là, elle est où? La grosse, là. Elle est bien. Ouais, tiens. J'attends les touches à lui ici, c'est toi. Excusez-moi, les jaloux. Oui, mais elle m'a fait un cadeau. Quand elle venait de Paris, un peignoir, c'est ça, non? Et puis, serviette. Où elle a mis mon nom? Elle a eu l'occasion de mettre le nom, le prophète Joël. Donc, en retour, c'est un cadeau que je fais. Amen. Vous allez vraiment nous excuser par rapport à la voix. Ça ne va pas porter aujourd'hui, mais parce que dimanche prochain, voilà, tout ira mieux. Nous sommes en train de préparer la Noël. Généralement, on pense que la Noël, c'est là où Jésus est né. C'est ce qui est. Mais selon l'histoire, ce n'est pas la date de la naissance de Jésus. Amen. Amen. Quand vous regardez un peu l'histoire, les mages étaient pires. Il y a des cent millénaires en Israël. L'histoire aussi nous amène à comprendre que c'est la date de la naissance de Constantin. Aujourd'hui, appelé à Noël. En fait, ce n'est pas une fête religieuse. Mais pour nous, c'est un moyen d'annoncer l'évangile. Amen. Ça nous permet d'annoncer l'évangile. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas aussi mauvais. Puis à cette date-là, nous profitons pour annoncer l'évangile de Jésus. Amen.
Sinon, les gens pensent que c'est une fête chrétienne, mais elle est païenne. Ça, elle est païenne. Hein. Nulle part dans la Bible, on a parlé de Noël. Nulle part dans la Bible, on a dit que Jésus-Christ est né le 25 novembre. Voilà, 25 novembre. Et lorsque, pardon, 25 décembre, autant pour moi. Et quand on étudie un peu l'histoire, c'est que le 25, à cette date de décembre, il neige en Israël, les mages ne pouvaient pas être dehors. Voilà, mais ce n'est pas aussi mauvais de célébrer Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est plus dans la crèche. Il est le sauveur, il assied la droite du Père. Mais ça nous permet aussi d'annoncer l'évangile aux enfants. Nous sommes à la deuxième édition de Ab de Noël, et cette fois-ci organisée toujours dans la région de l'eau du bois, dans la sous-préfecture de Iré, et nous serons cette fois-ci à Goro, à partir de mardi. Donc Ab de Noël, c'est mardi. Sur la sous-préfecture de Bikou. À partir de mardi, nous avons mardi, mercredi et jeudi. Amen. Voilà, tous les soirs, il y aura un concert. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui nous avons eu assez de jouer. La dernière fois, j'étais le seul à participer, j'ai dépensé 1 300 000 francs. Moi, 1 300 000. C'est une manière d'aider les gens. J'ai dit aux gens que notre argent sert à servir Dieu. Voilà. Mon argent là, si Dieu me donne l'argent, c'est pour le servir. Dieu ne me donne pas l'argent pour ma maison, c'est pour servir. Amen. Et nous les Africains, nous avons pas cette culture de la relève. C'est-à-dire qu'il faut préparer les enfants. Hein? Quand on met les enfants au monde, on fait comme nos parents. Ben, moi, mes parents sont musulmans, on s'est dit c'est Dieu et c'est Dieu. On ne prend pas la peine de préparer l'enfant. Il faut maintenant préparer l'enfant. Si nous ne voulons plus voir la sorcellerie dans cette région, il faut commencer par les enfants. Il faut commencer à préparer les enfants. Et c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Et le verset biblique, c'était dans Exode 20, le verset 13, « Tu ne tueras personne. » Et en novembre dernier, jusqu'en décembre, nous avons eu plus de 100 enfants sorciers. Chacun avait déjà préparé quelqu'un pour la fête de Noël, pour la fête de Pâques, pour la fête de janvier. Et il y a un monsieur qui ne croyait pas. Son fils a fait des aveux, c'est un gars de Zaroko, il ne croyait pas. L'enfant dit, avant novembre, tu feras un accident. Effectivement, avant novembre, il a fait un accident. Comme il faisait partie d'une autre religion, une autre confession religieuse, il a commencé à banaliser la chose. Il a fait l'accident. De toute façon, il y a des grands sorciers. Il y a aussi des enfants sorciers. Amen. Et j'ai toujours dit aux gens, on a des différentes manières de voir la sorcellerie. Moi, j'ai une autre manière de voir la sorcellerie, c'est d'aider l'individu. Celui-même qui est sorcier, de l'aider à abandonner la sorcellerie. Amen. C'est possible. Un sorcier peut changer. Un sorcier peut abandonner la sorcellerie. La preuve, c'est que nous avons des sorciers parmi nous aussi, qui sont devenus utiles au royaume de Dieu. Amen. Il faut aller dépeupler le royaume de Satan. Ce sont les agents de Satan. Satan les utilise pour endeuiller les familles. Satan les utilise pour détruire. Et quand vous prenez un élément parmi des sorciers et que vous l'amenez à la conversion, vous avez fait de grandes choses, un grand pas d'ailleurs, parce qu'ils vont vous donner tous les éléments de l'autre côté, qui vont vous servir, qui seront utiles pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est une stratégie que de chercher à détruire, c'est vrai. Par moment, on dit non, il faut tuer le sorcier, mais par moment, il faut le délivrer. Amen. Maintenant, s'il ne veut pas changer, on aura beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que par moment, j'ai toutes les actions prophétiques pour tuer un sorcier. Ça, c'est rapide. J'ai toutes les actions prophétiques pour tuer un sorcier. C'est pour ça que je demande aux parents, à cette rencontre, à partir de mardi, mercredi, jeudi, vous pouvez envoyer vos enfants à Gros. Envoyez vos enfants à Gros. Je suis en train de préparer, consacrer des bonbons. Amen. Ça me prend 4-5 jours. Je suis en train de consacrer les bonbons. Un enfant qui va manger ce bonbon, dès qu'on lui donne la sorcellerie, il ira. Amen. Aux gens, vous savez pas que le diable a copié, c'est Dieu. On vous dit non, anti-poison. Tout cela, c'est public. Amen. Amen. C'est public. Le diable n'a rien créé. Il fait que copier, c'est Dieu. On va consacrer les bonbons. Même un enfant qui a été. Parce qu'aujourd'hui, on peut même donner la sorcellerie à un enfant à l'école, au travers de la nourriture et tout ça. Il faut sécuriser la vie des enfants. C'est ce que je suis en train de faire. Consacrer les bonbons
pour que les enfants soient bénis. On appelle ça bonbon béni. Nous avons fait déjà expérimenter ça déjà à Zaroko. On a donné ça aux enfants. Ceux qui avaient sorcellerie, ils ont commencé à avoir diarrhée. Et puis il y a un petit qui a commencé à trembler, perlu, il tremble, il y a quoi? C'est bonbon. On a la vidéo. Il dit c'est bonbon là qui fait ça. J'avais quoi? Il dit les sorciers. Et l'enfant? Tu ne vois pas les 4 ans. Sorcier. Il dit c'est bonbon là qui l'a attrapé. Pas lui. Amen. Il faut délivrer les enfants. Le diable aime beaucoup se servir d'eux. Pourquoi? Parce que quand un enfant a la sorcellerie, il voit la sorcellerie comme un jeu. Ils sont les plus dangereux d'ailleurs. Quand un enfant a la sorcellerie, il est dangereux. Il est très dangereux. Amen. Et même qu'on peut le délivrer, on peut le libérer. Donc envoyez les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Envoyez les enfants à Bro. Nous avons reçu des dons de la part de José. Je crois qu'elle n'est pas là, c'est ça? Elle a la gloire pour préparer les choses. Elle a la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons reçu des jouets. C'est des gâteaux bénis. Hein. Des bonbons bénis. Excusez-moi, pas des jaloux. C'est bonbon, hein. C'est pas vos bonbons. On dit pecto, puis on dit ballon. Ça des chiffres. C'est pas vos bonbons, on dit pecto, pecto, puis on chute, ça des chiffres. Lui délivre. Amen. Amen. Voilà, c'est notre sœur camerounaise qui nous a envoyé ça. De Paris. Tout le monde ne pourra pas avoir. Donnez-moi notre chasser dans la. Eh, mais regarde, regarde le ministère. Où est regardé? T'es caché ici. On va là. Demain, maintenant, c'est quoi un cap? C'est un chien tout ça. Bon, je cherche un enfant. Non, non. Laisse-moi dans l'air. Amen. On aura l'occasion de vous distribuer. J'ai une manière de consacrer les bonbons. J'ai une manière de consacrer les bonbons. Le Seigneur nous a donné cette grâce de consacrer les bonbons. Et quand nous les consacrons, quand quelqu'un même a la sorcellerie, il y a des problèmes. Ouais. Mais si l'homme a eu de l'intelligence pour fabriquer des choses, et quand un animal mange, ça le détruit, Dieu peut nous donner toutes les connaissances possibles pour attaquer la sorcellerie. Pas attaquer la sorcellerie. Voilà. Et c'est ce que j'étudie toujours avec le Saint-Esprit. Donne-moi toutes sortes de moyens pour attaquer ce mal. Amen. Voilà, on va vous distribuer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si c'est la sorcellerie, ce n'est pas bon de manger. Hein. Parce que ça va se détruire. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Vous distribuez ça après. On aura l'occasion de vous distribuer ça après. C'est la Noël. Amen. Demain, ici, il y a la conférence. C'est la journée internationale de lui contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous serons encore à notre deuxième édition. Amen. Les journalistes sont en route. Ils m'ont déjà fait le testo. Les journalistes seront là ce soir. Et demain, nous démarrons ici. Nous, pour nous, nous luttons pour le droit de l'homme. L'homme a droit à la vie. Vous savez, toutes les organisations au monde aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ONU, lutte pour le droit de l'homme. Mais il y a quelque chose que l'ONU ne prendra pas encore pris en compte, les crises spirituelles. Et s'il y a journée de toilettes, il doit avoir journée. Oui, journée de WC, où on nettoie. Ce jour-là, c'est pour WC, pour nettoyer WC. Le 19 novembre. Il y a aussi la journée de yoga. Le quoi? Le 19 juin. Ah, mais les 21 juin. Voilà, donc il y a des trucs comme ça. Et pour nous, il faudrait que l'ONU prenne en compte la criminalité spirituelle et la délinquance spirituelle. Il y a des gens qu'on arrive à tuer avec des pratiques mystiques. Il faudrait que l'ONU prenne ça en compte. Il faudrait que le 22 décembre,
soit une journée décrétée contre les crimes spirituels et qu'il y a une sensibilisation faite autour de tout ça. Parce qu'en réalité, c'est le mal de l'Afrique. Qu'on veut le pas, il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réalité africaine. Vous allez aller chez les Kourmens, ils vont vous donner cola avec piment. C'est ça? Voilà, que Dieu te bénisse. Ils vont te donner cola. Si ton père donne cola et piment, ça veut dire qu'il faut quitter les régions. C'est leur tradition. Tu ne changeras pas ça, c'est leur culture. Donc, il y a la réalité africaine. Et chez nous, avant, chez nos parents, avant, la sorcellerie, on avait ça pour être garçon. D'autres prenaient ça peut-être pour se défendre. Parce que tout le monde est sorcier dans le village. Donc, il fallait avoir la sorcellerie pour se défendre. J'ai vu comme ça à Kadé, à Guiglo, où je suis allé évangéliser, attaquer un peu la sorcellerie, où on a détruit des choses là-bas. On est en train d'échanger avec les gens par rapport à la sorcellerie. Ils nous ont carrément dit que tous sont sorciers. Et il y a quelqu'un qui nous a approché pour dire qu'il est rentré dans la sorcellerie parce qu'on la merdait. Tout le monde est sorcier dans le village, il fallait que lui-même rentre dans cette confrérie. Donc, en réalité, dans nos villages et dans nos villes, malheureusement aujourd'hui, nos villages, nos villes sont attaqués même par la sorcellerie. Il n'y a pas que seulement que les villages, il y a aussi les villes. Amen. Amen. Voilà, les villes et tout ça, où il y a plein de sorcellerie. La définition de la sorcellerie, c'est lanceur de sorts. Celui qui lance un sort. Il y a des gens qui ont des esprits en eux, qui ont ces pouvoirs-là, qui ont la capacité de détruire quelqu'un à une fraction de seconde. Oui, il te regarde et peut te détruire. Amen. Amen. Et les blancs étaient les premiers à combattre la sorcellerie. Les premiers à combattre la sorcellerie. Et quand les blancs commencent à combattre nos systèmes, je dis, mais vous étiez les premiers à combattre la sorcellerie. La chasse aux sorciers, c'est vous qui avez envoyé ça. Vous avez même brûlé les sorciers. Nous ne brûlons pas les sorciers, nous les délivrons. Les premiers à combattre les sorciers sont les blancs. Ils ont essayé avec la prière, ça n'a pas marché. Ils se sont basés sur les Saintes Écritures, Exode 22, 17. On commençait à tuer les sorciers en les brûlant au bûcher. On prenait. Ça a pris 3 siècles. Ça a commencé par le 15e siècle, 16e et le 17e siècle. Et l'Inquisition, le tribunal qu'on prenait pour juger les chrétiens, les sorciers, s'arrêtait au 17e siècle. Ils ont connu un siècle qu'on appelle le siècle glorieux, un siècle glorieux du 18e siècle, le siècle des Lumières et de la Révolution industrielle. Les sorciers ont la capacité d'enlever votre mémoire. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, la technologie, c'est une science. C'est une science. Donc, l'homme a une mémoire. Ce sont de la 4 mémoires. Ils ont la capacité d'enlever ça. De faire oublier des choses. C'est à partir de cette connaissance qu'on appelle, on dit quelqu'un intelligent. L'intelligence, c'est la capacité de retenir des choses. Sinon, c'est tout. La sagesse, c'est quand quelqu'un sait se prendre, savoir se conduire. Mais l'intelligence, c'est la capacité de retenir des choses. Donc, les sorciers, ils peuvent détruire ça. Dans un village ici à Grand Laou, appelé Ajadon, il y a un sorcier, lui, il défecte. Il y a un seul puits dans le village. Oui. Et le village, là, c'est à 10 km. Hein. C'est-à-dire, vous êtes sur l'eau, dans un bord. 10 km sur la lagune. Et les moucherons sont en train de vous piquer. J'ai vécu tous les choses en Côte d'Ivoire. Par rapport à mon combat. On attrape d'abord un sorcier à fuir. Il allait se réfugier dans l'autre village. Un nid de sorciers. Il est arrivé là-bas, on a mis la main sur lui, il a fait des aveux. Et dans un puits, il défait. Et quand tu bois l'eau de ce puits-là, c'est fini, ça détruit ta 4 mémoires. Le plus intellectuel, il a un niveau C2. Et il est arrivé très loin. C'est le Saint-Esprit. Il y a un esprit en elle. Elle a touché le bouton? Non. Ah, il n'y a pas ça. Je vous ai dit, hier, il y a une panthère. Oui, il y a un panthère. Oui, il y a un panthère. Dis à quelqu'un, vous êtes actuel à la brigade anti-sorcier. Je parle trop.
vas quitter. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Tu vas quitter ce camp. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Papa. Je vais à toi. Je vais à toi. Je vais à toi. Papa. Je vais à toi. Viens avec elle. Elle m'a dit. C'est pour cela que je disais hier, j'ai dit si la vie elle ne parle pas, elle risque de mourir. C'est pas un jeu ici. On accepte. Amen. Elle vit avec ça, cet esprit. Voilà, faites-la avancer. C'est comme ça, si tu... Hier, elle parlait, elle ne voulait plus parler. Ici, on s'amuse pas. Je vous ai dit que ici, on a amour, on aime bien vous délivrer de sorcellerie. Mais si vous jouez ça, vous allez avoir des problèmes. Moi-même, le bonus que je vais vous donner en le 31, là, c'est vous montrer une petite technique, hein, de comment tuer sorcier. Il y a longtemps dans ça, dans ce combat. Elle veut parler. Où est-elle? Vous avez vu ici le Saint-Esprit? Vous avez vu, où est-ce ici? Comment c'est? Non, il disait comme ça. Et j'ai bien vu ça hier. Elle a commencé, elle ne voulait pas finir. J'ai dit dégage. Ici, là, il y a tellement la présence du Saint-Esprit que la, tu ne peux pas avoir sorcellerie et puis résister ici. Amen. C'est vrai qu'on ne vous tue pas. Mais si vous jouez ça, vous allez mourir. Elle dit quoi? Les enfants? C'est pendant la durée de l'eau et en même temps danser dans les petits. Non, moi je vais écouter à vœu. Ce qu'elle a fait, tu ne sais pas tenir la main. Elle est toujours mal. Elle est toujours mal. Elle est panthère. Oui. Elle est panthère qui était dans le ventre de sa mère. Et elle faisait la sorcellerie. En année, elle a tout dans son moyen dans l'air. Elle dit dans le ventre de sa mère, et puis elle s'en fait la sorcellerie. Ah, d'accord, donc elle a commencé depuis le Saint maternel. Qu'est-ce qu'elle ne l'a pas dit hier? Bon, le Saint-Esprit, il a montré que je m'attends. Oui, mais elle n'a pas dit. Si elle parle pas, elle va mourir. Elle dit, elle a tué beaucoup de personnes. Oui, il oui, faut parler. Il faut parler. Parle, parle. C'est pas quelqu'un qui t'a dérogé, c'est Dieu qui t'a. Elle dit, quand les gars lui demandent à son frère de donner ses enfants, alors elle prend les enfants de son frère pour donner.
qu'elle protège elle, ses enfants, mais elle fait beaucoup des enfants de ses frères aussi. Voilà. Mais Yohann Bat lui, bien. Moi, je suis dans elle à ce qui dit. Oui, qui est qui? Yohann Bat lui, à ce qui dit. Ah, c'est pas lui, c'est elle vient là, tu es Estache, et puis Yohann. Gras. Elle dit celle qui a tué Gras, tu as dégré Gras, lui met son frère. Adam, 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 c'est qui fait ça? C'est pas moi. Elle est ma parole. Qu'est-ce qu'il y a là dedans? Moi, je ne parle de Noël, voilà, gros. Qu'est-ce que ça? Elle dit, elle a tué Nagio, son petit frère Nagio aussi. Nagio, c'est elle qui l'a tué. Mais il n'y a pas là, les gars. C'est comme ça, il y a la vie commence. C'est qui la division? C'est l'enfant de son petit frère. Elle s'appelle la porte. Et que la grande soeur de mon père a demandé, écoutez-moi bien, la grande soeur de mon père a demandé que de me livrer. Elle dit, ah, c'est mon fils. Mais qu'est-ce qu'elle a dit tout Nathalie? Elle a échangé, le gars voulait me tuer, mais elle, quand je suis étudiant, elle a changé, puis elle a pris la fille de son frère pour échanger avec elle. Tu dis que vraiment mon fils a été touché, il ne peut pas fuir. Maintenant, toi, tu as quoi, quel diplôme? J'ai une maîtrise en droit. Mais maîtrise en droit. Tout est fermé. Oui, tout est fermé. Maintenant. Donc, est-ce qu'elle a changé? Voilà. Mon ami, invitez-moi dans vos villages, vous allez voir ça là. Ce spectacle. Comme elle vit dans le village, comment on fait? Elle dit, c'est à cause de moi. Elle est en train de discuter même avec la vieille. Vous allez, elle est au village seulement. Elle est en train de discuter à cause de moi parce qu'elle voulait me tuer. Vous savez, elle veut te manger. Vous avez me tuer, mais elle remplace seulement à qui va faire des choses en moi parce qu'elle ne fait pas de choses. Elle a fait beaucoup d'enfants. Elle ne veut pas de choses en moi. Elle est grande. Elle dit les enfants de ses frères. Ils sont angolais, dire comme ça, on est venu à nous de moi. Si tu n'es pas connu, c'est que tu as dit, mais tu n'es pas connu. Non, à part lui, il y avait un que tu as chez l'autre hier soir là. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a dit qu'elle attachait, elle voulait le manger. Oui, voilà. elle a expliqué ça aussi. Vous voyez son fils là? Bertin. Elle a découpé son fils Bertin. Elle a vu le découper, elle voulait préparer l'enfant, et du coup, l'enfant s'est échappé dans la marmite. Et que l'enfant s'est résoudé. Mais elle-même, elle se demande comment l'enfant s'est résoudé. Donc, c'est pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle cherche à détruire sa vie et aussi l'argent qui vient. Et sa femme qui est morte. Elle essaie de. Sa femme qui est morte là. Sa femme qui est morte là. Ouais. Maintenant, il y a un maître de bouillard qui a sa vie. Elle dit que c'est la maman même de la fille. Elle a tué. Oui, Adam. Là, t'es chibouillé empoisonné. Adam, t'es chibouillé empoisonné. Donc tu sois là, c'est ton mari, c'est ta femme. Elle dit,
Ah, si tu n'appelles pas, ça va devenir folle ici. Si tu ne parles pas, ça va devenir folle. Elle a pris l'intelligence de sa fille. Quelle mère a grandi. Alors, effectivement, elle a envie de dire. Elle peut avancer. Elle a bloqué. Elle a posé un blocage. Elle a bloqué. Voilà, maintenant, après, tu as l'année de vie, elle a bloqué la fille. Elle peut avancer. Elle passe maintenant. Elle passe vite. Elle passe vite. Elle a peur. Elle est en vitesse. Elle n'a pas le diplôme. Elle n'a pas le diplôme. Elle a fois. Elle a bloqué. Elle dit à vous des choses. Mais elle n'a qu'à dire. Elle dit pas à mourir. Ah, ça m'a ramené à la maison. Je t'ai dit ça, yo. Mais il y a fait pour elle dit, moi, je dis, le gens qu'elle a fait, elle a fait sonner avec vous. Elle dit, il y a Sarah dedans. Elle dit, il y a des Bouddha. Sarah, c'est qui? La petite tête de façon là. C'est leur groupe là. C'est le même pas, c'est le même famille en Zizi. Parmi tes enfants, la tête de truc qui est qui, à part toi. Il y a une journée de moto, travailler sur les tâches de fond. Un produit de Noël, un Noël, produit de Napoli. Elle dit, c'est Pauline, elle a franchi même Pauline. Elle fait chanter tout le mariage de Pauline. Elle dit, comment? Comment? Pas de la moto. Non, elle porte pas pour la à ce moment-là, ça va dire que nous deux autres, je vais se faire voilà. Elle dit, on l'a enlevé de son mari, elle a pris son bracelet pour cacher. Bracelet de qui? De Pauline, elle a gâté son mari. Elle a fait son mari où? Son mari est déjà mort, il est parti à l'époque. Donc elle a dit, prendre le bracelet de sa propre fille, gâter le mari de sa fille. Et ce qu'elle a fait, elle peut appeler le mari, mais c'est plus mari en fait, mari. Adam. Il n'y a pas de travail à Adam. Wadi. Elle dit celui qui a tué Wadi. Wadi, c'est son petit frère. Mais c'est lui petit frère. Côté papa, mais pas côté maman. Celui qui a tué Wadi. Elle dit celui qui a tué Gras. Maigri Gras. On va le voir. Elle finit maintenant, prend maintenant sa foi. Alors elle rentre maintenant dans la elle a transformé Estache en porte. Elle a transformé son petit frère. Il y a un monsieur qui s'appelle Keipo, ça c'était en vain. En vain même, on a commencé la sorcellerie. Elle a tué Keipo, et Keipo m'a dit qu'il était sorti. Vous m'avez dit non. Bon, elle dit, il y a deux étapes. D'abord, qu'elle était très jeune là. Elle fait sorcellerie. Il y a que pour quoi? Elle a mis un mot, elle a mis un plan de bonheur. Elle fait sonner à monsieur Kouami. Non, mais. D'abord, pourquoi? Il y a elle dit, il y a Bouza dedans. Vous voyez, la grande sœur de mon père. Il y a Grasso aussi qui est dedans. Il y a la grande mère de Grasso. Je vois tout ça, il y a une minute.
elle dit à la petite soeur de la maman, de grâce au Seigneur, elle est invitée dans cette histoire de cette semaine. Elle dit, elle a pris mes diplômes pour mettre ça dans un canari. Elle a mis ça dans un canari pour ne pas que lui-même je bouge quelque part. Je fais une leçon de boîte. Il y a un nombre là. Tu as vu, elle dit celle qui a tué, c'est grâce à lui. Moi, j'en ai pressé, pourquoi ça va? Elle dit celle qui a tué, pourquoi ça va? Le monde de la confrérie, est-ce qu'elle a dit le nom des gens? Zawablé. Elle dit celle qui a tué Zawablé. On en est. La sorcellerie, le monde de la confrérie. On en est. Mais elle a fait quoi? Elle a récité une bonne partie. Elle dit, il y a Bouza, la petite soeur de mon père. La grande soeur de mon père. Elle dit, la grande mère de Grasso. La petite grâce, il y a sa grande mère dedans. Elle dit, c'est grâce qui a envoyé l'enfant de sa soeur pour que le gars la tue. Si tu n'as pas fini de parler, je vais te laisser. Hein? Tu es parti pour la mort. Hein? Lui va faire des funérailles là. Lui va s'en aussi. On te prend, on te met dans l'acte. On te jette. Là, il y a funérailles. Elle dit, là, sous son côté, voilà. Ce qu'elle a donné, là, il y a des gens qui ont donné pour elle, mais elle ne sait pas. Elle ne reconnaît pas les gens qui ont donné. Est-ce que tu as tout dit? Elle dit, ça, elle est où les mains? Comme tu dis, elle a capté tout même. Elle a tout gâté. Tout gâté. Donc il n'y a plus de rappel même en ce moment. Que vraiment, c'est pour rester la petite. Amen. Doucement. Où sont tes enfants? Où sont tes enfants?
Ta fille est où? Mamie, je suis en train de faire, tu es en train de me flécher là-bas. Hé, hey, ça t'en donne de rire. Ça t'en donne de rire, ça. Ça t'en t'amuser. Hein? Pourquoi? J'ai fait quoi? Tu es en train de m'essayer. Je te pose la question, tu es en train d'essayer. Tu es en train de m'essayer. Elle dit quoi? Et puis tu veux m'essayer. Tu dis quoi? Je sais pas, moi je n'ai pas fait du mal aux gens. Faut plus recommencer ça. Dis-lui ça. Hein? 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 Ta sorcellerie là, faut laisser ça tranquille. Ben, tu ne me mouilles pas. Hé, hey. Oh, 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 tu ne me moyens pas. D'accord? Hein? Allons-y. Viens, 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 faut l'appeler. Viens, 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 viens. Tu es sorcière. Qui t'a donné sorcellerie? Non, quitte. Tu es sorcière. Qui t'a donné? Elle est mienne, ça ou mais je suis en train de m'amuser avec elle. Je suis en train de prier pour la dame et toi tu es en train de m'attaquer. Elle dit quoi? Je ne suis pas en train de t'aider, faut lui demander. Qui a détruit celle-là? Qui a gâté celle-là? Qui a gâté celle-là? Non, elle n'a pas parlé. Qui l'a gâté? Comment? Tu as gâté quoi en elle? Vous traduisez ma fille, moi je ne sais pas. Je suis en train de les dire, toi qui m'attaques. Et pourquoi tu es dans tes yeux là? Il y a les flèches qui viennent sur moi. Pourquoi? Hé, hey, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu as compris.
de réfléchir. On n'est pas conduit qu'on l'a envoyé, elle t'a envoyé ici pour te tuer. C'est pour ça qu'ils sont dit, regardez. C'est ce que tu dois faire là. J'ai déjà signé ton décret. Tu vas détruire ça et puis tu vas aller mourir. On peut recommencer ça. Hein? Hein? Écoutez, alors qu'il s'est mis, il n'y a pas de limite. Et ça.